C'est une idée de génie qui vient de m'arriver, voilà. On est sur les jeudis tutos. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les jeudis sur ma chaîne Twitch à 19h, on enregistre des tutos et je traite les sujets, les idées de tutos que vous voulez que j'exploite. Donc n'hésitez pas à venir le jeudi sur ma chaîne Twitch, au moins le jeudi si ça, ça vous intéresse. Sinon, je stream tous les jours. Dans la description, vous avez le Discord. Si vous recherchez des coéquipiers, que vous en avez marre de jouer solo, n'hésitez pas à le rejoindre et à proposer vos services pour jouer. Bah oui, tranquille, tranquille, on est là. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le HS Mod est un des pires entraînements, selon moi, et une énorme erreur. Une énorme erreur. Alors oui, ça va vous faire travailler votre précision et tout, mais en fait, vous allez avoir d'énormes lacunes sur beaucoup de compartiments de jeu au niveau du skill individuel. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on est sur un serveur Deathmatch, HS Mod, donc c'est du Only HS. Les gens jouent à l'AK, etc. Il n'y a pas de tagging, il n'y a pas d'IM Punch quand on fait du HS Mod, donc c'est pas le jeu réel que vous jouez actuellement. C'est-à-dire que sur CSGO, il y a de l'IM Punch et du tagging. Le tagging, quand vous tirez sur un mec, fait qu'il va être ralenti, donc la vitesse avec laquelle il se déplace va quasiment être anéanti et donc il va faire du surplace et vous allez le finir en spray. L'IM Punch, c'est le fait que quand vous lui tirez dessus, il y a son viseur qui fasse des petites vibrations comme ça et donc il manque de précision, il ne peut pas vous toucher. Donc c'est pour ça qu'en fait CSGO, depuis une mise à jour en 2014, a été rendu de plus accessible pour le grand public. Comme ça, ça a réparti les chances de manière équitable de gagner un duel. Sans ça, le jeu serait comme le HS Mod. Sans le tagging, sans l'IM Punch, le jeu serait comme le HS Mod. Et donc, les gens qui auraient un IM supérieur seraient récompensés. Donc ça, c'était le jeu d'avant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ont voulu faire un jeu pour les noobs. Hein, j'ai envie de dire noob entre guillemets, parce qu'on sait très bien que CSGO est certainement le jeu le plus difficile à maîtriser, au moins en termes de FPS, comparé, je sais pas moi, à du Valorant, à du Rainbow Six. J'ai du respect, bien évidemment, pour tous ces jeux qui sont très techniques et tout. Mais je pense qu'en termes de skill pur, CSGO est le jeu le plus difficile à maîtriser. Et malgré ça, ils l'ont rendu plus accessible en faisant ces mises à jour là. Et donc, quand vous jouez en HS Mode, les joueurs ont une vitesse maximale constante, même si vous leur tirez dans le corps, et ils n'ont pas d'IM Punch. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, si je vois un mec ici, vous voyez que normalement, il serait mort dans la vraie vie, mais il a fait une grosse décale comme ça, et il m'a mis un headshot. Normalement, il aurait dû être tagué, il aurait dû être punché, j'ai envie d'utiliser ces mots, mais comme ça, vous allez vous les mettre dans l'esprit. Et j'aurais dû le tuer en 4 hits dans le corps très vite. Parce que c'est le jeu réel. Et je vais vous en dire plus dans la vraie vie, dans le vrai CS, quoi. C'est pour ça que le HS Mode n'est pas du tout le vrai CS. Donc là, par exemple, voilà, le mec là-bas serait mort et lui serait mort. Voilà, j'aurais fait les deux kills là, normalement. Là, il y a un mec ici. Voilà, vous savez très bien que lui, normalement, aurait dû être mort. Mais il n'est pas punché, il n'est pas tagué, donc il a toujours sa pleine vitesse, donc il a le temps de se retourner et de se tuer. C'est pour ça qu'avant, on regardait des frag movies en 2012, en 2013, où Scream mettait des one-tap à tout le monde et tout, parce que c'était un jeu de duel, c'était un jeu de skill, c'était un jeu d'aim, et c'était celui qui était au-dessus, c'était Scream. C'est pour ça qu'il mettait des one-tap à tout le monde. Il ne perdait pas de temps à spray, et les gens en face ne pouvaient pas le spray, parce qu'en fait, lui ne perdait pas sa vitesse, donc valait mieux prendre 2, 3 hits dans le corps, pas mourir, et on va dire viser la tête et donc prendre le dessus sur le duel. Vous comprenez? Avoir du sang-froid et viser la tête, genre comme ça et tout. Là, regardez, je l'aurais tué, mais le mec a gagné, a toujours gardé sa vitesse à fond. Il est parti pendant que j'étais en train de le taguer. Et le jeu du HS Mode, c'est pas le jeu réel. Donc c'est pour ça qu'en fait, on voit des gens, ils travaillent que des strafes. Ils travaillent les strafes à fond, ils font que des droites gauche. Voilà, ils font que des droites gauche, droite gauche, droite gauche, droite gauche, droite gauche, comme ça là. Voilà, accroupi, debout, machin, sans jamais perdre de vitesse réelle. Et donc, ils sont trop forts au niveau du skill. Mais ça vous entraîne quand même au niveau de la précision quand même, faut pas déconner. C'est quand même un entraînement qui est bien pour ceux qui veulent travailler vraiment leur précision et tout. Mais ceux qui ne font que ça, c'est des machines à headshot. Donc dans des situations vraiment prédéfinies où le skill va vraiment prévaloir sur enfin l'IM va prévaloir sur le skill, c'est vraiment des duels comme ça, là où on voit que la tête. Ce genre de duel, les genres de duels ici cornes. Là il n'y a plus d'IM punch, il n'y a plus de tagging parce qu'on ne voit pas le corps.
Donc ça veut dire que 80% des duels, c'est des duels où vous allez voir tout le corps. Ça veut dire que c'est des duels où il va falloir spray. C'est beaucoup plus efficace de spray. Voilà, des mecs comme ça, là, au Deagle. Tac, 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 tac. On voit des mecs en HS mode, comme lui, là, qui prend le Deagle et qui fait son HS mode au Deagle. Et il est trop fort. Regardez la vitesse à laquelle il se déplace. Regardez l'autre, à quel point... Voilà, on est des clowns. On est des clowns. On fait que des droites-gauches, comme ça, on est des clowns. Des guignols, au Deagle. J'ai envie de les tarter tous. Oh là là, comment je déteste le HS mode, c'est incroyable. Regardez-le, regardez-le. Hein, regardez-le. Ouais, il n'arrive pas à m'avoir. Regardez-le. Ah là, il s'est visé. C'est impossible. On est des cons. On dit. Gogol. Donc, s'il me spray la gueule, c'est fini. Il n'y a plus de. Il est mort. Lui, il serait mort. Hein, il serait mort là dans la vraie vie. Mais il n'y a pas de tagging, il n'y a pas d'aim punch sur le HS mode. Donc, les gens visent la tête. Voilà. Mais c'est pas des situations réelles. Les mecs au corps à corps, jamais vous allez les IM, les traquer comme ça au niveau du headshot. Jamais, 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 jamais. Jamais vous allez faire ça. C'est pour ça que le HS mode est un des pires entraînements. Parce que ce n'est pas réaliste. Bien évidemment, tout ça pris en considération, vous le savez, ça reste un bon entraînement pour l'IM. Parce que ça vous entraîne au tracking, au niveau du headshot. Ça vous entraîne au niveau de votre précision, ça vous entraîne au niveau peut-être un peu de vos APM, de vos décals et tout, pour travailler un peu des décals propres comme ça et tout. Mais c'est un jeu entre guillemets qui est devenu punitif CSGO. Avant, tu pouvais être en plein milieu de tout devant 4 personnes, si tu avais un IM supérieur aux autres, bah tu les tuais. Parce que les mecs, ils n'avaient pas le temps de te spray. Tu faisais headshot ici, headshot ici, headshot ici, et c'était très bien, tu pouvais être partout. Maintenant, non, tu es obligé de raser les murs, de faire des décals comme ça, de vite te mettre à l'abri comme ça derrière le mur. Voilà, regardez, il saute, je peux pas l'avoir, c'est impossible. Impossible. Donc ça vous entraîne à ça le HS mode, tu vois, faut pas déconner, ça vous entraîne à viser. Mais là, jamais, jamais j'aurais fait un duel comme ça là. Jamais, jamais. Là, j'aurais fait ça, spray, merci, au revoir. Donc ça s'entraîne, ça entraîne quand même au niveau de l'IM et tout. Faut pas abuser, tu vois, comme ça m'entraîne moi au niveau de l'IM, c'est très bien et tout. J'arrive à vous parler, à enregistrer, mettre des one tap comme ça et tout, pour des petits tracking, tout ça, c'est sympa, tu vois. Mais là, par exemple, je dois le tuer 100 fois, le mec. Le temps que j'ai eu là dans le duel pour le mec là sur le plateau B, je dois le tuer. Je dois le tuer, mais 3 milliards de fois. En plus, là, on est sur du tick 128 et tout. Ça touche très très bien. Mais voilà, petit one tap tranquille. Donc, sur ce genre de duel, oui, ça vous entraîne. Sur ce genre de. Mais c'est là où vous voyez des mecs sauter en plein milieu sur les deathmatch et tout. Vous mourrez tous de dos. Lui, là, avec son deagle. Ce genre de choses. Bon, j'espère que vous avez compris, en tout cas, le principe, j'ai envie de dire, parce que j'espère avoir été clair de pourquoi, entre guillemets, le HS mode, c'est un des pires entraînements. C'est parce que ce n'est pas du tout réaliste. On ne joue plus à ce CSGO-là depuis 5 ans, 6 ans maintenant. Avant, oui, le HS mode, c'était l'entraînement des professionnels. Fallait viser la tête. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. CSGO, c'est tagging. IM Punch, spray transfert, spray contrôle, merci, au revoir. Valorant est un jeu comme ça également. C'est un jeu de spray. Ils l'ont tué, à mon sens, ils l'ont tué pour essayer de rééquilibrer les chances. Tous ceux qui vont dire, ah non, mais il faut revenir au temps d'avant et je sais pas quoi, croyez-moi, vous partez avec une, on va dire, un désavantage. Parce que les gens qui vont avoir vraiment un aim supérieur à vous, va vous tuer tout le temps. Donc vous allez dire, bah, c'est normal, c'est un jeu élitiste. Celui qui est le plus fort devrait être récompensé. Mais en fait, ça va trop déséquilibrer les choses. Il va y avoir un gap entre les joueurs beaucoup trop important. Et les gens ne comprennent pas ça. Que ce soit, et Valorant, c'est encore plus poussé, ce truc-là. Je pourrais en faire une vidéo sur Valorant, si vous voulez, pour vous expliquer exactement ce que je vous ai expliqué maintenant. Mais pourquoi sur Valorant, c'est encore plus accentué. Notamment grâce à cause de la vitesse du jeu. Parce que sur CSGO, de la vitesse est quand même plus élevée que celle de Valorant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On s'abonne si vous voulez me donner votre soutien. C'est avec plaisir que je vous accueillerai dans le SC Cafardino. Je le répète, dans la description, vous avez le Discord. Si vous recherchez des coéquipiers, il faut venir postuler dessus, etc. Si vous voulez encore aller plus loin, venez sur ma chaîne Twitch, vivre en live les tutos et vous abonner. Bisous tout le monde.